Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va donc commencer avec donc une nouvelle série qui est donc Far Cry 5. Donc je vous l'avais promis quand j'avais le message quand je rentrais de mon voyage, donc de mes vacances. Donc j'avais marqué un petit mot, vous pouvez regarder dans les communautés, les mecs il est toujours. Hein. J'avais dit Far Cry 5. Il était dedans, j'avais promis de le faire les mecs. Donc aujourd'hui on va le faire, donc on commence tout de suite, allez, c'est parti. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, déjà, ils vont nous demander ça, alors. Un homme ou une femme? Un homme, quand même, on va pas exagérer. Ok. Le Montana. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Et soudain, tout est assez bourgeois à toi, mon frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militant, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui? Leur leader? Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. Ah, vous avez vu, c'est pas le jeu. On va devoir donc arrêter cette secte et tuer tous. Donc les mecs, si vous aimez pas ce jeu, bah voilà, vous me dites. Si vous aimez bien, bah continuez à voir la série, j'en ferai une vidéo tous les 2 jours environ. Donc on fera une dizaine d'épisodes environ les mecs, c'est rapide le jeu quand même. Je dis juste que parfois on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben ici il y a des lois respectées, shérif. Si vous avez aussi des astuces à me donner en commentaire, mais dites-le moi, hein, pour ceux qui ont déjà joué au jeu. Brat, encore. Voilà. Tu veux bien s'il te plaît, c'est fait. Pendant, dis-moi si vous voulez que je mets toujours les sous-titres en bas, les mecs. Parce que les sous-titres, là. On approche je sais pas si vous voulez que je les garde ou pas. Compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? À vous. On a malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshal. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous.
On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Ces tarés la feraient jamais chier. Rat. Les tarés, c'est une trouvaille à vous? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils sont débarqués gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif? On y est. C'est juste en dessous de nous. Dernière chance, Marshall. Allez, c'est parti. Pose-nous. Pratt, bien compris. Les touches, ils sont basiques, les mecs, hein, donc je vais peut-être m'habituer assez rapidement. National, s'il le faut. À vous. Ok, shérif. Je vais prier pour vous. Bon, écoutez-moi. Trois règles. C'est moi qui parle. Personne ne dégaine son arme. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris? Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va! Dans l'église, suivez-moi. Ouvre l'œil. Ces gens s'énervent assez facilement. Hé, hey, par ici. Reste cool, ok? Qu'est-ce qu'ils font là? Du calme. Que tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Shérif, ça me plaît pas. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Nom de Dieu. Vous portez des insignes, non? Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. On résoudra tous les problèmes avec une balle, Marshall. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Rien à voir à faire avec vous. Monsieur Mapo le Père, il faut que vous laissiez tranquille. Pour l'instant, ils apprennent pas à courir, mais. Donc, ne me demandez pas pourquoi je peux pas courir et ils me mettent pas la touche. Enfin, je suis environ, je crois. Hey, Marshall. Si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière, calmement, sans heurts. C'est compris? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez simplement de ne pas faire de conneries. De gars, okay, mec, je connais pas le jeu. Hein. J'adore le jeu, mais faire la une des j'ai jamais voulu regarder les vidéos. Enfin, avant le jeu, voilà. Ça va aller. Je vais découvrir un peu avec vous, les mecs. Quelque chose approche. Ah. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes. De notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, on y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer, les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier.
premier saut et en soi, je parle pas beaucoup les mecs. Hein. J'essaie de vous laisser écouter. Viens et vois. Allez, on avance. Et je vis devant moi un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Donc déjà les mecs, Dieu ne vous laissera pas faire. J'ai regardé juste le début pour voir si c'était bien déjà le jeu, parce que ça ne m'a pas connu, vous voyez. Allez, passe-lui les menottes. Et donc si on n'appuie pas sur la touche arrêter le père, et bah c'est déjà fini le jeu. Donc on va appuyer dessus. Parfois la meilleure des options. C'est de faire demi-tour. Allez, allons-y. Ah, enfin, on peut tourner la tête, mec. Waouh. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant, on va à droite. Chut dessus. On vous laissera pas. Non, vous n'avez pas le droit. Reste sur la voie, petit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas regardé après, mec. Hein. J'avais juste marqué les fins possibles, parce que je savais très mal le jeu, il avait des fins. Reculez, reculez. Prenez quoi. Alors là, je sais pas ce qui va se passer. Ah ouais, y'a même... Ah ouais... Bouge-toi, allez. Je suis un marshal fédéral. Reculez. Je vous ordonne de reculer. Rangez ça. Dégainez. On est dans l'hélico. Reculez. Mais allez. Ouais... Bouge. Cassez-vous de là. Mais bouge ton cul. Ah, il monte sur... De toute façon, c'est un hélico, il va pas tomber comme ça, il est trop con. Hein. Voilà. What? Non. Non. Il y en a pas un qui sait. Non, mais... Mec. Comme moi, il y a un qui a sauté sur l'hélice. Il y a un qui s'est suicidé juste pour un mec. Ah, mais c'est leur père, apparemment. Mais bon. Voilà quoi. Je l'aurais pas sauté comme ça, quoi. Là, il a fait ça et sauté. Allez, donc on est. Allez, mais donc on est toujours avec eux. Et lui, donc, il est passé où? On peut prendre le casque ou pas? Il chante toujours? Attrape! Voilà. Merde. Earl! Répondez à vous! Je t'avais dit que Dieu ne te laisserait pas me prendre. Oh là là, tu vas voir. Pitié. J'ai une balle dans la tête, tu vas voir. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Oui, Central. Oh mon Dieu. Nous n'avons aucun problème. Ah ouais, donc non. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Mais pourquoi le petit... Pourquoi mon personnage, je dis pas. J'ai foi en vous. J'ai d'accord, elle a dit oui père, c'est-à-dire qu'elle est de leur côté. Personne ne va venir te sauver. Ouais, merde. Voilà. Jamais de policier, les mecs. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier saut est brisé. L'effondrement a commencé.
et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. On s'en décide. Que la récolte commence! C'est quoi la récolte? Ah, il y aura... Oh non! Ok, la meuf est en moi. Mais salut! On arrive à se tirer d'ici! Yes! Il brûle! On a trop du feu. Oh non, c'est trop bien! Il y aurait pas le feu, t'aurais eu le seum! Allez, allez, détache, détache. Ah, voilà. Attendez la touche. Cours. Cours. Aïe. Ouf, ouf. Alors, on va faire des petits zigzags. Hop, hop. Allez, hop, hop. Voilà, c'est bon, ma vie, elle est remontée de toute manière. Ah. En vrai, on voit bien la différence, regardez. Et hop, ah. Bon, allez, on se dépêche par contre. Parce que c'est bon. Oui, yes. Yes, on peut sauter même. Oh ouais. Chut. Mais j'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes. Il faut après exécuter. Donc... Ah ouais, ok. Je sais ce que je fais. Ok, ça sera celle-là. Donc là, je tue avec mes mains. Je suis accroupi, là. J'ai pas une jumelle, genre rien. Ouais, je vais comme ça. C'est arrivé exactement comme le père l'avait dit. J'ai tout vu. Il a essayé de le tuer. Il voulait tuer le père. Dieu l'a protégé comme il nous protégera. Tant que nous faisons confiance au Père, on prendra ce qu'il faut. Je ferai tout ce qu'il vous faut. Tous ces écrans. Putain. Merci. Ta gueule, je te tue. Oula, oula, calme-toi, calme-toi. On va peut-être rester au point. Oh. Oh. C'est quoi la deuxième arme? Ah ok, j'ai compris. Okay. Là, ah oui, il n'y a que avec ça par contre qu'on peut changer d'arme. Moi, je prends tout. Hein. Moi, j'entends quelqu'un. Genre, il y a vraiment quelqu'un, c'est juste pour me faire peur. C'est juste pour me mettre dans le bain. Oh, trop ma gueule. Il y a un chien là. Putain, j'ai plus de sang. Mettre des baseball. Donc, je pense qu'ils ont duré. Putain, c'est bien sûr. Donc la batte de PS2, elle doit avoir une durée de vie, je pense. Parce qu'à un moment, elle va se casser, c'est logique. Oh, c'est... Oh. Oh, oh, ça va tenir, ça. Oh, oh. On va prendre le tuyau. Alors là, ça va faire faire. Attends, ils ont une barre de vie ou pas? Je sais pas. Ah, mais en fait, on peut avoir plein d'objets au corps à corps. C'est alors juste les armes à distance qu'on peut en choisir qu'une. Oh, ok. Ah, attends. Alors, une branche de bois, ça n'a rien à voir. Hein. On fait quoi maintenant? Ah, mais ok, attends, il y a des mecs là. Ah, voilà, il est là, je suis. Thank you.
dû te trouver un trou, planqué, hein? Ça fout. Je sais, tu m'entends. Ouais. T'es sûr, hein? Je vais pas te rater, mec. Il y en a dans le mobile home de Roy. On va la voir. Le père va s'en assurer. Ah, il y en aura dans un mobile. Moi, je suis pas dans un mobile home. Ah, c'était le mec qui. Attends. C'était le Marshall. Il commence à me fatiguer. Oh, tu t'en tireras pas comme ça! Ça fait mal, hein. Voilà, je. J'ai mis son arme ou pas? Je suis déjà plein. Merde. J'ai tapé sur son corps. Et hop. Continue à chercher. Finira bien par se montrer. Il est toujours dans le coin. Arrête de le trouver. J'aime bien la glissade. J'aime bien les jeux où tu cours, tu glisses. Pourquoi ils disparaissent? Mais pourquoi ils disparaissent? Ah ok, c'est quoi? Ah c'est un os. Ah non. Ok, bah lui, je sais pas, ils sont disparus. Et donc là, ah et ma mission, donc ah et maintenant. En fait, je crois que c'est parce qu'il fallait juste. Putain, pourquoi je suis plein? Peut-être pas que je prends les autres balles des autres armes. Bon, je pense qu'il va y avoir du monde. Hein. Là, c'est le flingue. Merde. Nous le protéger comme il nous protégera. Tant que nous faisons confiance au père. Oh, qu'on disait, c'est pas chaud, c'est pas dur. Hein. Enfin, pas dur, c'est l'ironie. Hein. Croyez pas, hein. Là, il y a pas de viseur sur le flingue. Regardez, dans l'eau. Plus télé. On est reparti. Et merde. Bon. Ah ouais, ça va, il donne déjà les balles automatiquement. Il y aura peut-être, je sais pas, ce serait bien, il y aurait des compétences. Genre, je sais pas moi, comme le jeu que là je regarde en ce moment sur YouTube. Genre, plus t'as de trucs, mieux tu serais fort. Enfin, plus tu serais fort. Oula, ça va rentrer. On va prendre ça. On va tout prendre, j'ai trop peur. Non, non, on va tout prendre. On va tout prendre, on sait jamais. Par contre, si je vais me battre, là on dirait vraiment qu'on va se battre. Je te jure, c'est un flingue, c'est avec un flingue, je vais devoir tuer 3000 personnes, ça va être drôle. Oh non, Steve, merde. Désolé, j'ai cru qu'il avait... Allez.
Oh, il a l'air traumatisé, le mec. Allez. Bon, c'est vrai qu'il devrait un peu. Hein. Pourquoi il a dit fouille la pièce? Il a pas regardé avant. Je sais pas. Oh, Seigneur. J'aurais jamais cru. Merde. On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. Toute la famille. Putain, fanatique. Waouh. Ils sont beaux. On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Je peux la voir. Tiens. Yes. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Ouais, garde le flingue, c'est mieux pour toi. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite, faut qu'on revienne ici. Ah, donc c'est pas loin Missoula, genre toute là la où, guerre nationale. Où ils sont. Et on se débarrassera de ce qui reste. Ok. Chut. Comment il sait? Ah oui, ok, il a dû voir notre petite tête. Hein. C'est vrai qu'on a des grosses têtes, nous, tu vois. Ah, je croyais que j'avais mis l'infini, j'avais rigolé. Attends, qu'on travaille une fois, il meurt? Ah non. Ah, c'est un autre truc, ça, ou c'est comment? Putain, c'est impossible à viser par contre. D'accord. Merde, il est mort. Allez, viens, vite. Ah, il par contre, il me dit voilà. J'ai vu quoi? Non, par contre, c'est vraiment impossible de gérer. Putain, hein, j'ai pas envie de mourir. Hein. Mais c'est quoi le truc là? Bon, les mules, j'en ai plus. Hein. Ah non, ok, maintenant j'ai mini limité. Ah, ok. Regardez, il y a le signe limité. Ah, alors j'ai mitraillé là. Ah là, il se plaint. Ça va bien? C'était du bon boulot. J'y serais passé sans toi. Ah, ok. On y retourne. Mais avec un bon plan. On ne sait pas à qui on peut se fier. Putain de l'ancien. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'aide à FG, donc c'est hyper cool. Non, ils ont barré les routes. Bah, logique, c'est pas bien. Allez, mon cafou! Oh là, par contre, c'est mal. Merde. Oh, t'inquiète pas, je vais faire un plaisir. Et bon. Merde, c'est pas visé. Non, on va. Allez, je vais. Ah, attends, je crois que c'est facile, toi. Explose tout! Allez, va te faire foutre! Va te faire foutre! Ah non, j'en ai plus! Ah, là, il est mort! C'est juste avec toi, c'est tout ça! Rien, rien, voilà! C'est fait. Qu'est-ce que toi, la vue, là, il y a rien. Ça, devant, ça a l'air assez simple. C'est bien. Ah, et bah... Voilà. Voilà, c'est bon. Là, j'arrive à... Ça prend la vie, ça prend la vie.
Oh, c'est moi qui fais exploser ou ils sont cons les esprits? Ouais, j'aime pas les vaches. Ils dérangent. Oh là là. Ça fait mal, hein. La mitraillette de merde. Là, c'est pas des conneries, c'est des fous. On a dit que c'est armé jusqu'aux dents. C'était fait exprès? Ou c'est juste moi qui a pas fait exprès? En tout cas, on est dans l'eau, hein. Adieu. Ah non, c'est bon. Je suis sorti, vraiment. Je vais me dire. Voilà. Alors, ça, c'est la technique principale de tous les jeux. Tu noies dans l'eau, tu te réveilles quelque part d'autre. Ou pareil avec un accident, genre une grosse explosion, pim, tu dors et là, hop, tu te réveilles autre part. Ça arrive toujours comme ça. Ah bah l'autre, il vient de se faire prendre par quelqu'un. Nous devons rendre grâce, c'est devons je sais pas si c'est un méchant ou un gentil, mais... J'ai fait la prophétie, est enfin là. Tout ce que je vous ai dit, c'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint les bras et membres de ma famille. Tous sauf un. Ah. Et c'est moi, je parie, le dernier. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Ah ok, lui, il avait une ouche, je pense. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant, c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. En gros, dès que j'ai pris mes notes, c'est ça, en gros. Et c'est ce que t'as fait, officier. Excuse-moi, je fais mon boulot, hein. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de te livrer. Mais t'es pas con. Et tu vas me laisser tuer tout le monde, c'est ça? Merde. De toute façon, t'es dans un bon cœur, ils vont jamais te trouver. Ah, ça se coupe comme ça du coup sec. D'accord, avec un gros couteau comme ça. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Je sais que c'est pas un couteau. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. C'est un couteau, après, mais c'est un couteau suisse. Quoi. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. Pardon, merci les mecs, hein, pour le clip. Hein. Merci. Hein. Si vous n'avez pas vu le clip, allez le voir. Ça fait plaisir. Il a fait beaucoup de vues, apparemment il est très drôle. C'est fait pour ça, les mecs. C'est ça que j'ai à vous dire. Ah, ok, là en gros ça. Ok. Il nous avait dit que justement on pouvait changer. Alors attendez. C'est bien. Rouge patate, non, quand même pas. C'est bien. Je vais prendre un truc basique, moi. Alors, ça c'est pas ma coupe, hein.
alors que toi. Non. 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 C'est pas une cavicite, toi, quand tu fais ça. Quand t'as ça. Un peu, hein. Non. Non. Y a pas des cheveux normales, genre. Genre pas avec une coiffure. Je sais pas comment expliquer. Genre, y'a que celle-là qui est bien, mais genre celle-là elle fait trop moderne. Genre, elle fait pas armée, celle-là elle fait armée, genre. On prend quand même des cheveux quand même. Bon, elle est comme ça, il est bien. Ouais. Ouais, un jean quoi. Ouais, quand tu les trucs de l'armée, j'aime bien. C'est camouflage. Alors, ça fait pas du tout sérieux. On va prendre une chemise. Casquette, y a rien de l'armée, donc en soi, on va garder celle-là. Hein. On peut enlever la casquette. Voilà. Les gants, ça, je ne vais pas enlever les gants, ça, c'est important. Hein. Non. Et go. Waouh, parler à Dush. Ah, ok, il s'appelle Dush. J'avais pas compris. Mais enfin, j'avais pas suivi son prénom. Je croyais qu'il avait pas dit. Il m'avait pas dit pour un truc avant. Ouais, salut. J'ai pas d'armes, donc... Ah, c'est vrai, en plus, j'ai pas d'armes. Ellie, Marie, Jérôme. Allez, approche. Il faut qu'on parle. Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. Ouais, tu vois, il a pas dit. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Oui, je comprends. Moi aussi, on m'a pris des amis. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne sait ce qui se passe ici. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard. Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la secte. Mais non. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Oh, comment il a changé, genre il parlait tranquillement et là c'est... Ah, je te crie dessus quoi. Fais bien gaffe à toi, ça grouille de cinglés. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur sert de chef. Oui, chef. Alors, qui sont ces salauds? Une tête. Ok, deux frères, une sœur. Ok, c'est une vraie sœur. Ah bon, Je fouille un peu. Je sais pas, il cache quelque chose, genre. Il faut esprit pas de le dire, genre, parce que c'est tellement. Ça peut tellement. Non, c'est pas l'éditeur qui va m'aider, hein. Ça, c'est des jeux comme ça où tu dois regarder. Non, mais il y a des trucs à lire, ils sont de moi. Ils ont bien quelque chose à me faire. Y a personne. À vous. Ah. Non. Dutch, t'es là, c'est Réré. C'est quoi ce bordel? On a entendu plein de tirs et je suis presque sûre que c'était pas le tonnerre tout à l'heure. Mais des explosions. Boomer aboie tout le temps et veut pas se calmer. C'est encore ces cinglés de la secte? Va falloir supporter ça longtemps. Enfin bref, rappelle-moi quand tu pourras. C'est bien fait parce que genre moi j'ai des... C'est que vous soyez un casque ou des écouteurs, bah genre... Oh! Oui, je sais que j'ai le goût des armes, hein. J'ai un peu remarqué. Hein. Oh! Ah, ça va, des couteaux à lancer. Bon, allez go. C'est quoi? Un tuyau.
Ah, et le tuyau. Bien. Ah. Ah ouais, imagine tu restes 50 ans dans ça. Tu ouvres comme ça. Ah, les yeux, allez, ah, là t'aurais mal. Hein. Ah, je te dis, c'est pire que quand tu te réveilles le matin. Quand il est pas vraiment caché. Hein. Bon, écoute, oh, ça va, si ça. Tu veux organiser la résistance, il hein. Y a 2-3 trucs que tu dois savoir. T'as 4 façons de procéder. D'abord, là, ils vont montrer tu peux libérer des otages de la secte. Comment renforcer c'est la des gens bien qui accepteront peut-être de se battre à tes côtés si tu les aides. Ok. Ensuite, tu peux détruire ce qui appartient à Eden's Gate. Juste. Tu vas trouver ça un peu partout. Tiens, rien que sur cette île, il y a pas des trucs à capturer, genre après pour faire tes explications. Non, il y a plein de gens ici qui mènent une guerre personnelle contre la secte et ils cracheraient sûrement. La mission, on m'a dit qu'il fallait les faire, c'est et juste pour gagner des tribus. Mais moi, je ferai. Tu peux aussi t'attaquer aux avant-postes. Ah, voilà. Si tu les libères, la résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts de ces tarés. Bon. Bon bah les mecs, je vous retrouve tout de suite quand donc il y a quelque chose à faire. Hein. J'ai des... Où est-ce que je les prends par derrière? On va devoir les surveiller encore longtemps. En tout cas, ça commence à me fatiguer. Ils ont pas l'air dangereux. Merde. T'as intérêt à nous dire ce que tu sais. C'était quoi ça? Je suis touché. Bon, merde. Tiens ta gueule. Putain. Hop, lancé. Merci, officier. Je te libère parce que sans j'allais mourir. Mec, j'aurais dû sortir mon flingue. Ça aurait été mieux. Hein, mais... Ouais, ça me marre. Hey. Faut que je vous dise quelque chose. Ok, j'ai une arme lancée, c'est un molotov. Ouais, bah, un molotov, c'est pas ouf. Hein. Arrête, t'entends? Quoi? Ces cinglés de fanatiques sont en roue libre. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cache de survivaliste près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. C'est tout? Bah, donc le bunker il est là. Et donc là je dois y aller là. Ok. Donc c'est où son truc? Ah, vers là-bas. Ah, il est là. Ok. Parce qu'on voit pas hein, les points. Je vois pas trop. Hein. Okay. Ouais. Oh. Ah. Ah merde. Attends, y a un mot. C'est humain que j'ai tenté d'aller à la planque souterraine, mais il y a un gros tuyau à exploser et à tout inonder. Je ne sais pas ce que... peut sauver, on a besoin de jus pour faire fonctionner la pompe et drainer l'eau. Je sais que l'interrupteur est dans le hangar avant, mais la porte est verrouillée et tu ne m'as pas laissé la clé. Je te laisse donc t'en occuper, Garrett. Okay. Donc il y a un truc à trouver quoi. Je suis assez vite les mecs, hein. C'est normal, c'est pour vous. Hein. Vous voyez pas. J'explose la serrure au pire. Oui, t'es chaud. On m'a dit que les serrures ils résistent pas. On va voir. Hein. On va arriver où la serrure? C'est ça la serrure? Bah, si ça résiste. C'est con. Parce qu'au début du jeu il me disait serrure ne résiste pas aux balles. Ah, pas que si, hein. Ah mais c'était fait exprès. Peut-être que si on parle d'autres portes, peut-être que ça. Ouais, je sais pas. Là c'est une mission, je pense. Je pense une mission annexe. J'ai
y aller quand même, moi. Ah, les clés. Donc normalement là je peux appuyer sur la pompe. Il est où? Il est le truc de... Ah il est là. Il y a un truc là-haut, c'est plus quoi. En gros là. Ça va bien toi? Voilà. Ouais, il y a toujours de l'eau, ça sert à rien. Ah, des flèches. Et des flèches. Ouais, de l'argent. Un tuyau boutonneux. Non, on va prendre ça. Je suis au boutonneux, ça va être autre chose. Oh, attends, il y a la lampe. La lampe qui est. Ah, ouais, j'ai cru. Non, attends. Putain, j'ai eu peur. C'est quoi? Des attaches. Ça, quoi? Attends, je vais voir. Oh! Une arbalète. Non, 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 non. Pas d'arme. Contre le pistolet, ok. Mais si, c'est con. Attends, regarde quand même. Ça a l'air faut précis, hein. Quand tu fais ça, c'est précis, hein. Mais après, non, 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 je préfère ça. Au moins, t'es sûr d'avoir les balles. Non, non. Putain, ils ont même fait les coups de dos. Ça stresse, hein. Mais en torche, on veut pas, genre. En fait, on a une torche permanente, si je comprends. Bon, on n'est pas des gamins, je vois pas eu la lumière. Non. Y a pas un truc là, genre tour de guet. Bon, ça y est là. C'est peut-être ça qu'il veut qu'on fasse. Si c'est un nouveau truc. Bon, ça, je pense pas qu'on peut grimper sur la corde. Hein. Ah, merde, des mecs. Des alliés ou des ennemis. Ok les amis, donc j'arrête cette vidéo à ce moment-là, donc elle sera coupée en deux, donc ne vous inquiétez pas, vous verrez la suite après. Donc il y aura deux parties, bah même plusieurs parties. Là, ce que vous verrez après plus tard, donc ça sera la deuxième partie. Donc j'ai filmé en même temps les mecs, donc c'est une continuation. Donc si je vous salue pas en disant salut les amis et tout comme ça, c'est normal. En tout cas, sinon, les amis, je vous dis à la prochaine. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, marquez hashtag fin. Comme ça, je verrai s'il y a vraiment des gens qui regardent jusqu'à la fin cette vidéo. Car ils seront très longues ces vidéos dans ce jeu. Donc voilà, je vous le dis. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, à la prochaine. Et n'hésite pas à me follow sur Insta et Snap. Sinon, je te dis à la prochaine. Allez, à la prochaine.